Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel, loisirs et cuisine. Donc je vous retrouve pour la troisième partie de la course aux billes. The Marble, Marble One. J'arrivais à le dire. Voilà, donc j'en étais restée là. J'avais eu, ça tourne toujours. Hein? J'entends un frottement, je sais pas ce que c'est. Et ça, j'avais eu des problèmes. Donc, on voit des traces de colle, mais j'ai bien collé. Et par contre, ici, là, ça s'enfonce pas vraiment, puisque c'est collé. Normalement, ça devrait pouvoir s'enfoncer. Mais j'espère... Voilà, ça y est. Voilà, je l'ai enfoncé. Et donc, j'avais fabriqué celui-ci. J'avais trié des pièces et cette petite pièce là j'ai regardé partout et je pense que c'est il vous explique comment ça fonctionne et la taille le 30 et le 35 ça vous fait une sorte de mesure pour regarder, mais bon, je la mets toujours de côté, sait-on jamais. Voilà, donc là et bien écoutez, je vais continuer. Alors je ne me souviens plus où je m'en étais. Il est tombé par terre ce matin. Alors, j'en étais donc là, j'en étais au 11 et j'ai terminé le 11. Voilà. Donc, je vais sortir les pièces du 12 qui m'a l'air simple, mais j'ai l'impression qu'il faudra s'en servir beaucoup plus loin, je crois. Et je vais essayer de fabriquer, ben, quand vous voyez tout ça là, voilà. Comme ça, je prépare les pièces et j'espère que ça prendra cette fois-ci moins de temps. Je suis désolée pour les 1 heure des autres vidéos, mais c'est vraiment le temps que je passe à peu près dessus. Voilà, allez, je vous retrouve, c'est tout de suite. Voilà, j'ai les pièces, j'en ai fabriqué un. Et ben, j'ai passé du temps. Je me suis dit, ça y est, ça recommence, ça recommence. Fabriquer. Maintenant je vais faire, donc le 12 c'est fait, je vais fabriquer le 13, donc je vais sortir toutes les pièces et il y en a, et je vais bien faire attention, je vais faire comme Pascal, j'ai regardé encore sa vidéo, il note au crayon dessous pour les pièces où on risque de se tromper, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, là j'ai toutes mes pièces, donc il faut pas que je me trompe, j'ai tout bien vérifié. Je vais fabriquer une pièce, la première, ça va faire le Y11 et je vais marquer Y11 et ainsi de suite, donc jusqu'au Y16. Alors ce que je vais faire d'abord pour tous les petits zigouigouis là, c'est que je vais mettre forcément de la paraffine sur tous et je vais fabriquer les pièces. Voilà, tout est fabriqué avec la paraffine, tout va bien. Donc de Y11, Y12, Y13, Y14, les deux Y15 et Y16. Et j'ai tout mis derrière au crayon. Voilà, donc ça c'est le 13 qui est terminé. Maintenant je vais prendre les pièces du 14. Donc ça, on va les mettre de côté. L'ordre, on s'en fout puisque j'ai mis à l'intérieur, dessous, la référence. Donc, je vais mettre dans ma petite boîte. Voilà, j'enlève toute cette paraffine. Et vous remarquerez, ma chaise ne grince plus. Oui, l'huile miracle. Alors, donc, je vais faire le 14. Je vais chercher les pièces et je vous retrouve. Voilà, j'ai mes pièces pour la figure 14. Alors, je les ai laissées bien dans l'ordre comme il faut. Énorme problème, je préfère le signaler, entre ces deux là, donc qui sont les mêmes, ça c'est du B6 et ça c'est du E6. Il y a une petite différence, ici c'est plat, les autres c'est pas plat. J'ai eu un petit peu du mal, j'y comprenais plus rien. Donc je vais enclencher le D5
dans le B5, comme ça. Bon, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de paraffine, mais je vais en mettre, parce que ça me gave d'avoir des soucis comme ça, ça m'énerve. Donc, ouais, bah, ça fait pas pareil, ça fait pas mieux, hein. Alors, comment savoir s'il est arrivé au bout? Comment savoir? Parce qu'en fait, il est décalé ici. Je vois sur la photo. Et là, par contre, j'ai oublié d'enlever le petit truc là. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, je le laisse bien comme il faut. Ici. Moi, je fais... parce que j'ai tellement peur. Et celui-là, le F3... Le F3, en plus le F3 sur la photo, on dirait un rond, mais c'est pas un rond, et il vient par le milieu comme ça, on dirait. De toute façon, ça peut être que ça, je pense, parce que si c'est ça, je suis morte. Donc non, c'est celui-là. Donc paraffine, madame paraffine, voilà. Et il faut bien regarder dans quel sens, le côté plat sur le dessus. Voilà, là ça rentre. Et le petit picot, je sais pas, le petit picot, il a l'air d'être au-dessus. Donc, eh bien, on change de côté. Non, mais c'est des détails. Alors, je l'enclenche pas à fond. Je vais attendre un petit peu. Alors, je vais enlever ma paraffine. Hop, par terre. Mon robot fera le ménage. Voilà. Ensuite, pour ces deux-là, le E5. Le E5. Comment ils font ça? Il me manque un... Pourquoi ils mettent ça? D'accord. D'accord. Ça, ça vient là. Ça, ça vient là. En fait, il n'y a rien à fabriquer. Oula. Je vous dis pas. Ça m'a l'air bien compliqué. Alors, c'est-à-dire que ces pièces-là, on les a fabriquées, mais c'est pour les mettre de ce côté, comme ça. Il faut tenir comme ça. Donc, je vais les mettre comme ça, comme ça. Alors, en tout premier, c'est le E5, celui-ci. Dans ce sens-là, il faut le mettre là. Madame paraffine. Voilà. Vers le bas. Non. C'est bien fait. C'est pas bien fait. C'est qu'il faut que ça soit enfoncé jusqu'au bout. Si vous avez un millimètre de décalage, c'est la mort, quoi. Eh ouais. Ensuite, on a le C5, qui est celui-là, qui vient se mettre apparemment ici, comme ça. Alors, Madame Paraffine, de tous les côtés, sur toutes les faces, on met Madame Paraffine. Et on le met comme ça. Mais ça rentre pas. Déjà, ça rentre pas. Les puzzles en 3D, normalement, il ne devrait pas y avoir de résistance comme ça, moi, je trouve. Hein. Mais bon. Bon, là, c'est fait. On dirait que c'est bon. Ensuite, celui que j'ai fabriqué, le premier, c'est donc celui-ci. Il va là. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, maintenant, c'est là qu'interviennent les morceaux qu'on a fabriqués tout à l'heure. Alors, il y a un Y10 qui est celui-ci, qui vient. Alors, qui vient. Oui, aïe, stop. Y10. Mais je vois rien avec tout leur dessin, là. Déjà, il est comme ça. Bah, il va là où il y a le petit truc, forcément. Et oui.
Voilà. Après, j'aimerais bien pouvoir le bloquer. Est-ce qu'il faut mettre un chichou là? Ah non, il n'y a pas de chichou. Bon, pour le moment, il n'y a pas de petit chichou. Bien que j'en mettrais bien un de ce côté-là, quand même. Voilà, donc j'ai mis cette partie-là. Ensuite, Y11. Alors, tous mes Y sont là. Souvenez-vous, je les ai numérotés derrière. Hop. Et donc, je cherche lequel. Je ne me souviens déjà plus. Le Y11, qui est un grand. Alors, peut-être c'est celui-là, 14, 16, ça peut être, ben c'est le dernier forcément, toujours comme ça avec moi. Alors, le Y11, il vient se mettre, mais, comment ça vient se mettre? C'est pas dans les fentes là quand même, si, non. Normalement, il va comme ça, mais je vois pas où il... Ah oui, d'accord, là. 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 Ouais, c'est là et là. D'accord. Ok. Parce que moi, et la perspective des dessins, ça fait deux. Hein. Allez, on met de la... un petit peu partout, sur toutes les faces. Et on y va, donc... Voilà, j'ai fini ça, mais c'est pas fini, il faut que j'aille chercher le E7, et voilà le E7, donc j'ai enlevé tout ce qui devait être enlevé, et donc du coup je pense que bah, maintenant il va falloir faire ça, et oui, il va falloir faire ça, et ensuite on mettra les petits trucs orange. Alors là, c'est là qu'il faut bien viser quoi, attends, oh mon dieu, alors ce que je fais, d'abord, je vais tout paraffiner mes petits bouts. Tous. Voilà, j'ai tout paraffiné. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais ben on ne sait jamais avant. Alors, le plus dur, ça va être du coup d'appuyer, quoi. Enfin, de... Alors déjà, on met le petit truc là comme ça. Bah écoutez, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ouais. Allez, la para, on l'enlève un petit peu de là. Donc apparemment, tout est bien ok. Là, je vois bien tous les petits chichous. J'espère que j'ai rien oublié là-dedans. Et puis que je ne me suis pas trompée dans l'ordre. Donc maintenant, il faut mettre les M1. Donc c'est les petits. Mais moi, il ne m'en reste pas beaucoup parce que souvenez-vous, sur la grosse roue. En haut, il m'a fait sembler qu'il y en avait deux. Alors, s'il faut, je les reprendrai, bien évidemment. Mais j'avais vu deux. Alors là, il m'en... Ah, voilà. Ah, mais non, pas trois. Voilà. Parce que là, il m'en reste plus qu'un, moi. Alors, on va mettre ça là. Hop. Et on va mettre l'autre là. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé là, non? Y17. Ah non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Qu'est-ce que c'est la pièce là? B08. Je vais chercher B08. Voilà, j'ai la B08. Les picots en bas. Alors là, on le tient comme ça. Et le côté large, non, c'est comme ça. Le côté petit, il est de ce côté-là. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, comme d'hab. Voilà. Ah, il veut pas. Il veut pas, mais il va vouloir. Il va vouloir. Hein? On a toujours peur d'entendre un bruit et que ça soit qu'on l'ait cassé, quoi, vous voyez? Alors, pourquoi il ne veut pas s'enfoncer, celui-là? Et si j'appuie comme une malade à la bille, là? Pourquoi il veut pas? Ah, là, il y est. Voilà.
Voilà, ça y est. Donc, ça c'est, quand on voit le dessin, c'est parfait. Voilà, hop, et ben j'ai terminé. Ce truc-là, c'est le Y17, il est terminé. Voilà, allez, ça fait combien de temps? Je ne sais pas combien de temps il reste, je vais regarder et je vous dis si je continue encore ou pas. Ça va, je suis à 22 minutes, on est bon, pour fabriquer ça. Voilà, 22 minutes. C'est bon. Alors maintenant, on attaque le 15. Alors le 15, il faut des pièces, le D6, D5, D7 pour fabriquer le Y18 trois fois. D'accord. Donc, je vais chercher les pièces. Voilà, j'ai les pièces, donc multiplié par 3. Alors, premier D06, déjà le C05, le picot vers le haut. Et bien évidemment, je vais mettre de la paraffine sur les côtés. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors, les picots sur le dessus, c'est bon. Il reste plus qu'à enfoncer. Voilà. Et le D07 de l'autre côté, comme ça. Alors, il faut de la force, moi je vous le dis. Voilà. Et voilà. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà, un ici. Je vais fabriquer les deux autres. Voilà, j'ai fait mes trois petites pièces. Hop, hop, hop. C'est la pièce Y18. Peut-être je devrais noter dessus. Non, quand même. Voilà, Y18, c'est fait. On va la mettre un petit peu de côté. Je vais attaquer le 16 qui sera la pièce Y18 et Y19. Donc, je vais prendre toutes les petites pièces qu'il faut. Voilà, il en faut beaucoup. Voilà, donc là, j'ai les petites pièces. Donc, je regarde bien comment il faut les mettre. Donc, le E9 qui est le premier, il va derrière avec le petit chichou devant. Voilà, déjà, ça rentre pas. Là aussi, il faudrait que je mette de la para. Hein. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci avec le petit chichou. C'est le E8 qu'on met aussi. Voilà. Ensuite, le B10 qui est celui-ci. On le met là sur le premier cran. Voilà, comme ça. Il faut appuyer fort. J'ai pas assez de force. Si, ça y est. Et donc, maintenant, sur le devant, on met le B9 avec cette petite partie-là vers ici. Voilà. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Parce que si je me trompe, là, moi, j'arrête tout. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pas encore la Y18. Il me manque encore des... Ah non, il ne me manque pas les éléments. C'est là qu'interviennent les trois que j'ai fabriqués. Et qui doivent s'enclencher. Ah, ici, il me faut du A16. Je vais chercher le A16. Voilà le A16. Je l'ai trouvé. Alors, inutile de... Je vous dis pas, mais à chaque fois que je coupe, enfin, que je découpe là les petits trucs, que je les détache, je passe mon papier de verre. Donc là, par contre, comme il faut rentrer les trucs là, comme ça, je vais mettre de la paraffine là. Et par précaution, je vais mettre de la paraffine. Je vois qu'il y a trois picots là aussi. Donc, je vais mettre de la paraffine dans tous les petits picots qui sont sur ces éléments-là. Voilà, j'ai tout paraffiné. Donc, je vais prendre mon Y18 qui est là. Et ça va aller dans ces petits trous qui sont là. Alors, normalement, je dis... Ah, mais celui-là, il me gêne. Du coup, pour le poser à plat, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je dis bien normalement. Voilà, donc là, j'ai fini la partie Y19. Oui! Ah, donc ensuite, on prend la partie Y17 qui est là. Et on va mettre le Y8. C'est ce petit truc-là que j'avais fait.
On le met où? On le met où? Alors attendez, déjà c'est cette partie là. Ah, qui va là, comme ça. Ouais, mais ça rentre pas, entre. Ah si, ça rentre, entre. Par contre, paraffinons. On va tout. Ah, mais il y a deux étages. Ah, alors c'est sur lequel étage? Moi, je paraffine maintenant. Là, je n'avais pas vu, j'ai pas mis de paraffine. Si, j'en ai mis. Non, je sais plus. C'est sur lequel? Le premier ou le deuxième? C'est sur le premier. C'est sur celui-ci. J'arrive pas, ça rentre. Ça passe pas. Si, ça passe. Ben voilà. Ben voilà. Ça y est. J'ai fait ça. J'ai mis Y avec Y8. Et je l'ai mis au premier étage. Voilà. Hop. Waouh. Allez, on passe au suivant. Alors là, je vous le dis, c'est pas de la tarte. Alors, je prends le Y20 que j'ai fabriqué et je dois le joindre à celui-ci comme ça. Alors, souvenez-vous que là, c'est ce que j'ai collé. Alors, il y a cette partie-là. Vite, vite, vite. J'ai dû en mettre peut-être, mais j'en remets plein. J'en remets et j'en remets. Voilà. Là, que ça fasse bien. Parce que il faut. Voilà. Donc, ça se met. Cette partie, donc, là, se met au trou là. Donc, les autres s'enclenchent aussi. Alors, les autres, c'est ceux-là. Alors, il y en a un qui est complètement tordu, quoi. Ah ouais, il est tordu de chez tordu. C'est celui que j'ai recollé, eh oui. Il est tordu. Voilà, là, il est moins tordu, mais... Allez, on va dijonner. On met de la paraffine partout, partout, partout. Voilà. Je vais maintenant mettre là. Parce que après j'ai peur de que ça soit un endroit inaccessible. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Après, il y a dessous, donc c'est bon. Allez, on va tenter. Alors, je me mets comme ça parce que c'est une question de pratique. Oh là là, mais comment vous voulez mettre tous les trous en même temps sans rien casser, quoi? C'est pas possible. Alors, celui-là, il va là. Voilà, il est à moitié enfoncé. Celui-là, je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Alors, je vais forcément bien galérer. Bien galérer, disais-je. Voilà, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Ça tourne encore. Et heureusement que j'ai mis de la paraffine. Heureusement que j'ai mis de la paraffine. D'ailleurs, voyez, d'ailleurs, celui-là, il est sorti. Pourquoi il est sorti? Celui-là, il est... Enfin, je veux dire, il est mal rentré. Voilà. Je vais mettre... là, il va venir s'enclencher quelque chose. Donc, vite, paraffine. Ça tient dans le temps, la paraffine. C'est ça qui est bien. Paraffine. Alors, c'est celui-là qui est pas bien. Mais c'est normal, c'est celui que j'avais collé. Et ouais. Donc, c'est pas droit. Mais la balle, ça ne gênera pas. Non, je pense pas. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai fini. J'ai fini. Ah, oh, maintenant, je vais trouver. Ah, vous allez voir ce qu'on va faire maintenant. Voilà, regardez. Ah, on prend ce gros morceau-là. Ça va être le socle. Alors, ça fait petit quand même. Mais quand on voit les pièces qu'il y a de mettre dessus, ça fait mastodonte. Voilà, et on va mettre, donc, ça va être bien. On va mettre donc tout ça. Alors, dans quel sens c'est? Oh, je vois pas. Ouh, mais attendez, il y a la pièce là aussi qui vient s'ajouter. Qui vient s'ajouter. Et apparemment, elle vient s'ajouter ici. Ou dans l'autre sens, non? Dans ce sens-là. Alors, attendez. J'ai loupé. Voilà, j'ai loupé. Il faut aussi que j'attache celui-là d'abord. Ah, ah. Allez, on va attacher.
celui-là avec celui-là. C'est-à-dire le Y20. Ouais. Et le Y19. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je peux donc prendre cette partie-là. Alors, je regarde qu'elle soit bien mise comme ça. Mais je... Alors là, ça va être un peu compliqué parce que je sais pas du tout comment il faut mettre. Alors, la manivelle, bien sûr, sera à l'extérieur, c'est sûr. Mais tous les points d'ancrage que j'ai paraffinés, mais que je vais encore paraffiner... Vous voyez tout ce qu'il y a à côté, j'avais pas vu. Voilà, voilà. Donc là, ben, vous voyez, ici, ça veut pas. Et si ça veut ici, ça veut plus de l'autre côté. Alors, quel est le côté qu'il vaut mieux mettre? Là, j'ai envie d'enfoncer mon doigt pour enfoncer le truc, mais je peux pas. Je peux pas. Alors, je vais prendre ça. Je vais enfoncer. Je peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc j'ai peur que ça fasse un décalage et que puis je puisse plus pour les boules. Enfin voilà. Donc bah écoutez, là je pense qu'on va arrêter la troisième vidéo. Il est midi pour moi. Donc je reviendrai peut-être cet après-midi pour faire le reste parce que ça me perturbe. Moi, tant que j'ai pas fait, ça ne me plaît pas. Et quand il y a des erreurs, il y en a. Parce que c'est hyper compliqué ce truc. Hein. Après, je comprendrais peut-être pour les boules où il faut les mettre. Bon, moi, j'ai bien fait une attention, le sens de la des roues pour les mettre ici. Mais là, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Parce que si c'est écarté, les boules, elles vont pas pouvoir partir. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, allez, je vous retrouve donc dans une... Attendez, je suis à la combien là? À la troisième? Ouais, la troisième. Donc, pour une quatrième vidéo. J'espère que ça ira mieux quand même. Qu'il y a des parties que je pourrais faire vite. Voilà. Mais bon, hein, je ne sais pas si ça pourra vous aider, ça au fur et à mesure. Mais surtout, mettez de la paraffine partout. Pourquoi celui-là, il n'y a rien? Mettez de la... Ah, d'accord, ça bouge comme ça. Mettez de la paraffine partout. Voilà. Allez, je vous retrouve donc dans une quatrième vidéo. Passez une excellente journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.